Aurélie et Maëlia. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on va découvrir aujourd'hui les Blumes. Maëlia était impatiente de découvrir les petites poupées Blumes. Ce sont des petites poupées qui vivent dans un pot de fleurs. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Eh ben, quand on va les arroser, eh ben, elles vont pousser comme si c'était des fleurs. Pour de bon? Oui. Waouh, j'ai vraiment hâte de voir ça. On n'oublie pas, bien sûr, de remercier Bandai qui nous les a offerts et qui sponsorise cette vidéo. Et c'est parti. Oui. On espère que ça vous plaira. Oui. Alors, on va commencer par vous montrer le packaging. Donc, ce sont les Blumes. Il y a 22 poupées à collectionner. Oui, c'est super, c'est beaucoup. Ça. On voit qu'à l'intérieur, nous avons 10 surprises. On a donc la poupée, les accessoires, etc. Elles ont des super coiffures. Allez, c'est parti. On ouvre. Donc, on suit les petits points. Alors, on tire. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on va retirer donc le film plastique. On découvre le petit pot de fleurs. Il est tout mignon. Il a des petites branches, des feuilles. Exactement. On a une deuxième partie à ouvrir sur le haut. Donc on enlève le plastique. En plus, il est rose. Si on n'y arrive pas, on demande à papa ou à maman de nous aider. Alors qu'est-ce que nous avons? Un arrosoir. Vous voyez? Vous voyez, il est tout rose. Un petit arrosoir trop mignon. Ici, nous avons la notice. On montre toutes les poupées. On découvre le mode d'emploi et les poupées à collectionner. Donc, on voit que nous avons des poupées mythiques, des très rares, des rares et des adorables. Nous avons ici un petit opercule que l'on va soulever. Ah, autocollants. On a une petite plaquette d'autocollants. Et donc ici, nous avons toute la partie que l'on va devoir arroser pour découvrir la poupée qui va pousser du coup. Oui, avec ça, l'arrosoir. Donc on va remplir notre arrosoir. Voilà, super. Ah ouais. Hop, vous voyez? Oui, ça commence à pousser. Waouh, 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 waouh. Trop mignon. C'est trop beau. Faut attendre, mais il faut pas tout de suite la prendre. Oui. Bon, après, je pense que c'est bon au niveau de l'eau, Maëlia. Tu en as mis assez. Hein? Là, elle est bien partie. C'est bon, Maëlia, c'est bon. Ouais, 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 parce que Maëlia, quand il y a de l'eau, on n'arrive plus à l'arrêter. Donc voilà, on va récupérer la poupée. Hop. Et voilà, elle est toute mignonne. Elle s'appelle Mandy, vous la voyez, elle est trop belle. Trop mignonne. Donc voici notre petite Mandy, vous voyez, elle a une jolie chevelure en matière squishy. Oui, et regardez, elle va. Hop, ouais. On peut lui enlever donc sa chevelure et du coup, cette fois-ci, elle a un petit chignon. Trop chou! Du coup, Mandy, c'est une adorable. Et cette fois-ci, on découvre les surprises qui se cachent dans le pot de fleurs, donc les accessoires. Il suffit de tirer la petite languette, voilà. Très on a un petit oignon. Personnage. En fait, c'est un petit oignon. Trop exactement. Chou, minuscule. Trop mignon. Oh, et cette fois-ci on découvre sa robe, la tenue. On découvre aussi un petit socle et son sac à main. Et voilà notre petite Mandy tout habillée. Elle est assortie à mes ongles, dis donc, en violet. Ah ouais. Et la voici avec son petit copain, le petit oignon. C'est parti pour la deuxième Blume. T'es ouais, prête? Oui, oui, oui. Cette fois-ci, on a un pot de fleurs. Rose. Magnifique. On retire toujours l'opercule ici. On a des autocollants. Voilà,
voilà. Terminé. Ouais. Alors cette fois-ci, nous avons eu Céline. Céline parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle, ouais. Et ses cheveux, on dirait des cristaux. Pour découvrir les surprises, donc on va ouvrir. On va enlever le petit mécanisme et on peut découvrir les surprises à l'intérieur. On découvre son ami, c'est un petit cœur. Il voulait pas. Oui, en fait c'est un haut, un mini haut. Elle a un petit bas trop chou. Un petit short. Un short. Noir. Et elle a aussi des petites bottes noires. Ah. Et on découvre aussi son socle et son petit sac rose. C'est parti pour la troisième. Elle a une chevelure de sirène car on dirait qu'elle a une étoile de mer dans les cheveux. C'est tout à fait ça. Elle s'appelle May. May. Et on découvre son petit sac. Regardez comme il est joli. May, elle porte une superbe combinaison violette, des chaussures jaunes. Et son petit copain est un coquillage. C'est parti pour la quatrième. Voilà. C'est bleu, je vois. Ah ouais. Et... oh là là, trop beau. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Celle-ci, elle a les cheveux bleus et roses. Et elle s'appelle Crystal. Crystal, comme ses cheveux. Alors cette fois-ci, elle a un petit copain en forme de pierre précieuse. Au niveau de la tenue, elle est toute en violet. Et ici, on découvre son socle. Hop là. Et son petit sac qui est à l'intérieur, qui vient de tomber là. Et voici notre petite Crystal tout habillée. C'est parti pour la cinquième. Encore le même. Ouais. On a eu les mêmes que tout à l'heure. Voilà, j'ai ta paupière. Oh, une verte cette fois. Waouh. On arrose et la poupée pousse. Oui. Comme une fleur. Mais cette fois, c'est beaucoup plus vite. Et voilà. Oh, elle est trop jolie celle-là. En fait, tout ça, c'est en se coucher à la place et d'être tout dur à la place. Ouais. Alors, elle s'appelle Sedona, celle-ci. Elle est un petit peu différente des autres car elle a sa chevelure tout en matière, vous savez, squishy. Tandis que les autres, ils ont une petite partie qui est plastifiée. Voilà, au niveau du bas, je pense que là, vous voyez bien la différence. Et son petit copain, c'est un Esquimau. Regardez comme il est mignon. Elle adore le bleu, c'est Donna, dis donc. Elle a une tenue totale bleue. On va vous montrer maintenant la poupée qu'on a ouverte hier. Et nous avons eu Tess. Tess. Et Tess, son petit copain, c'est un... et c'est un petit cornet de glace. On a terminé la découverte des poupées Blume. Mmh. Elles sont vraiment toutes mignonnes. Mmh. Et on aime beaucoup le principe aussi. Hein. C'est vraiment original de pouvoir faire pousser une petite poupée comme une fleur.
une plante, c'est trop mignon. C'est trop chou. Ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Voilà, et du coup, si on ne veut plus lui mettre les cheveux squishy, on a la poupée avec le chignon. Et puis du coup, on peut même intervertir les chevelures. Ouais. Ouais, on peut leur changer les chevelures et tout. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Les changer. Ouais. Trop chou comme ça. Aussi, on peut changer les habits. Exactement. On peut vraiment tout changer. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, laissez-nous des pouces en l'air. On vous fait de gros bisous. Et on vous fait des gros câlins. Bye bye.